Cet épisode commence avec Gokhan, qui est en train de discuter avec son père, et lui demande ce qu'il compte faire à présent. Il dit ensuite que Celine s'est échappée, et dit qu'ils ne savent pas où elle se trouve. Il dit que Yagiz n'aura plus rien à faire avec eux, et la société est sur le point de tomber en faillite. Azim lui dit qu'il n'a aucune réponse à ses questions, et dit qu'il a fait des erreurs, depuis le jour où il a pris Yagiz dans ses bras. Il dit qu'il le referait encore aujourd'hui, mais avec le mensonge en moins. Il dit ensuite qu'il n'aurait pas dû fermer les yeux sur les actions de Celine, et aurait dû comprendre qu'elle est malade, et a besoin d'aide. Il dit ensuite qu'il n'aurait pas dû laisser la discussion entre Sinan et Yagiz grandir, et aurait dû les confronter. Il dit ensuite que cela n'est plus possible, car il ne peut pas rentrer le temps. Il dit ensuite que leurs actions dans le passé les a conduits à cette situation. De son côté, Fazilet arrive dans son ancien quartier, et Kudret fait de même. Elle entre dans son ancienne maison, et Kudret la suit, et l'intercepte, en la saluant de façon fraternelle. De son côté, Hazan est également en train de se diriger vers son ancienne maison, et est en train de réfléchir, sur la situation qu'elle vit actuellement, et espère que le destin va l'ouvrir une nouvelle route au bonheur. Pendant ce temps, Kudret est en train de discuter avec Fazilet, et lui dit qu'il était concentré sur la piste de Yasmine, et a fini par perdre la sienne, jusqu'au jour où il a vu dans les journaux, qu'elle est devenue la belle-mère des Angamen, et la félicite d'avoir ouvert la voie dans la bonne direction. Fazilet lui dit que sa fille a déjà divorcé d'Azim, et dit qu'elle n'a pas d'argent, si c'est la raison pour laquelle, il la suit depuis. Il dit qu'il aimerait avoir l'argent de son frère, et dit que ce dernier l'a laissé tomber et est parti avec elle. Fazilet lui dit que son frère aurait dû la laisser, et ne pas la choisir à sa place, car il la tue un peu tous les jours. Kudret lui demande de parler, et dit qu'il veut tout savoir, sur ce que son frère a fait. Fazilet lui demande de se taire, et dit qu'elle n'a pas pu tuer son frère en l'étranglant, et dit qu'elle peut le faire sur lui, et le saisit par le cou. Kudret dit que son frère a un peu usé de la force avec elle, sûrement parce qu'il était amoureux. Fazilet lui demande de se taire, et se met à tout lui raconter. Hazan arrive à la porte, et est en train de les écouter. Elle dit qu'elle était jeune, et dit que son frère a fait cela par force, en braquant une arme sur sa tête. Elle dit qu'elle était jeune, et pensait qu'elle avait une famille pour prendre sa défense, et dit que ses parents n'ont rien dit, et ont préféré garder le silence. Elle se met à pleurer, et dit qu'elle aurait dû tuer son frère ce jour-là. Hazan entre, et demande de qui elle est en train de parler. Hazan demande à sa mère, de qui Kudret est le frère, et Kudret finit par lui dire qu'il est le frère de son père, par conséquence son oncle. Fazilet lui demande de se taire, et lui demande de sortir. Hazan l'empêche de sortir, et dit qu'elle aimerait savoir ce que son père a fait. Kudret dit bravo à Fazilet, et dit que sa fille est déjà aussi grande, et elle préfère toujours garder le silence sur son père, et s'en va. Hazan dit à sa mère que son père n'était pas un policier, et demande comment il avait une arme. Elle dit que son père n'avait pas de famille, et demande comment le chauffeur de Gokhan est son oncle. Elle supplie sa mère de lui dire la vérité, et Binaz arrive à son tour dans la maison. Hazan continue à insister, en lui demandant ce que son père a fait, et Binaz vient vers eux, et lui dit que son père a violé sa mère. Fazilet demande à Binaz de se taire, et dit qu'elle n'était qu'une enfant, lorsque cela est arrivé, et Fazilet se met à crier, en demandant à Binaz de se taire. Binaz dit à Hazan, que ses frères et son père, ont dit que ce qui est arrivé est de sa faute, et n'ont rien dit. Binaz dit ensuite que son père a acheté sa mère pour quelques pièces d'argent, et est parti avec elle. Fazilet met alors Binaz dehors, et dit qu'elle n'avait pas à parler à sa fille, et Hazan est sous le choc.
Fazilette dit à sa fille qu'elle n'avait pas à entendre cela, et Hasan lui dit qu'elle comprend maintenant pourquoi elle avait l'impression que quelque chose manquait dans son enfance, et dit que sa mère ne l'aimait pas vraiment, et dit qu'elle ne peut pas l'en vouloir pour cela. Fazilette vient la prendre dans ses bras, et Hasan dit qu'elle veut tout savoir, et demande à sa mère de tout lui raconter. De son côté, Yasmine est en train de jouer à la corde avec sa fille dans le jardin, lorsque Kudret arrive, et Yasmine fait partir sa fille. Tout doit finir ce soir, et dit qu'elle devra lui apporter l'argent, ou il va pleuvoir du sang, et s'en va. De son côté, Fazilette accepte enfin de tout raconter à sa fille, sur ce qui s'est passé avec son père. Elle dit à Hasan qu'elle avait essayé de porter plainte, mais qu'elle n'avait pas réussi. Elle dit que son père lui a empêché de faire cela, et a continué à la frapper tous les jours, au point de briser son bras. Elle dit ensuite qu'il a fini par l'acheter pour quelques pièces, et dit que son père a vendu sa fille et son honneur pour de l'argent. Elle dit ensuite que tout ce qu'elle avait, ainsi que son orgueil et sa dignité, ont disparu en une seule nuit. Fazilet dit que son père lui a donné un homme qui est devenu son cauchemar. Elle dit alors qu'elle a compris ce soir-là à son jeune âge, qu'il n'y a qu'une seule vérité dans le monde, et dit que cela est l'argent. Hasan lui dit qu'elle ne peut pas croire que son père a fait tout cela. Fazilette lui dit que son père l'a fait venir dans cette maison, et a dit que cet endroit est son regret, et a dit qu'il n'a pas pu être un mari pour elle, et qu'elle devrait prier qu'il soit un bon père pour l'enfant qu'elle a dans le ventre. Elle dit qu'elle a prié et Dieu l'a écoutée, et dit qu'elle est née, et son père a changé. Elle dit que l'animal en lui est parti, mais qu'elle n'a pas pu lui pardonner. Elle dit qu'il a passé tout le temps à s'excuser, et dit qu'elle ne pouvait pas accepter. Hasan demande à sa mère pourquoi elle a laissé, qu'elle l'appelle papa, et qu'elle l'aime autant, et Fazilette lui dit que même lorsqu'elle se battait pour sa vie, elle a toujours voulu que sa fille l'appelle maman, même si elle le faisait étant fâchée. Hasan l'appelle maman, et la prend dans ses bras, et elles se mettent à pleurer, en se serrant l'une contre l'autre. De son côté, Yagiz est devant la prison, et aimerait aller parler avec sa mère Kerim. De son côté, Céline rencontre un homme dans la rue, et l'achète une arme. De son côté, Hasan dit qu'elle a toujours été en colère envers sa mère lorsqu'elle était petite, et dit qu'elle a grandi, et n'a pas cherché à la comprendre. Elle dit ensuite à sa mère qu'elle ne devait même pas essayer de la comprendre si elle lui avait dit cela avant, à cause de la colère. Fazilette lui dit qu'elle le sait, et dit qu'elle a accepté de vivre cette vie pour ses enfants. Et dit qu'en fin de compte, elles sont plus proches que jamais, et dit que cela est le plus important pour elle. Hasan se lève brusquement, et dit que cela n'est pas fini, et dit qu'elle n'a jamais coupé ses cheveux, car elle lui avait fait cette promesse. Fazilette lui dit qu'elle ne doit pas entrer dans ces choses, et dit qu'elle doit pardonner à son père, et faire ce qu'elle n'a pas pu faire. Hasan embrasse sa mère, et dit que pour elle la maison est vraiment brûlée actuellement, avec tous ses souvenirs d'enfance, et s'en va. De son côté, Fazilette parle à son défunt mari, et dit qu'elle ne l'en veut plus, et rencontre Binaz à l'extérieur de la maison. Fazilette dit à Binaz qu'elles vont discuter plus tard, et dit qu'elle doit retrouver un homme pour sa fille, et s'en va. De son côté, Yagiz est en prison, et veut parler à sa mère. Puis il se lève, et décide de s'en aller, lorsque celle-ci se décide enfin à arriver. Il décide de s'asseoir, et de discuter avec elle. Elle dit qu'elle ne voit rien d'elle en lui, et lui ne voit rien de lui en elle, parce qu'il a eu une autre famille, et un autre père. Yagiz lui dit qu'il n'a pas de famille, ni de père, et Kerim lui dit que cela n'est pas le cas, et dit qu'ils sont sa famille. Yagiz se fâche et veut s'en aller. Kerim lui demande de rester, et dit qu'elle n'est pas devenue folle en une journée, et dit qu'elle est devenue ainsi à cause du fait qu'elle n'a pas pu élever son fils, et dit qu'elle sait qu'il est trop tard pour le pardon. C'est déjà terminé pour cet épisode de votre série préférée, Madame Fazilet et ses filles. Abonnez-vous et likez la vidéo si cela vous a plu, et à bientôt sur Honnête TV pour un nouvel épisode.